Il y a une contradiction entre le discours de la mairie et les actes, où on voit que encore et encore, on veut bétonner et on bétonne. C'est partout qu'on coupe des arbres dans Paris. À un moment où il faut se battre pour le changement climatique, où il faut se battre pour réduire la bétonisation, et là on continue à avoir une fuite en avant permanente. Alors Philippe, où est-ce qu'on est ici? On se trouve exactement au 1 de la rue Alfred Bruno. On est à côté de la maison de la radio, pas très loin de la maison de Balzac. Et ici, on est devant un petit hôtel particulier qui a été construit vers 1860. 1860, c'est le moment où le village de Passy a été annexé à Paris. Et au fil du temps, avec l'urbanisation progressive du 16e arrondissement, cette maison est devenue l'un des derniers témoins de ce qu'était le village de Passy. Or aujourd'hui, elle est à son tour menacée. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Eh bien ici, il y a un projet de construction d'un immeuble de 7 étages qui est porté par la mairie de Paris. Donc moi j'appelle ça un projet chausse-pied parce que c'est construire 15 logements donc sur 7 étages dans une parcelle de 240 m². Donc ça veut dire qu'il faut tout bétonner, aller au maximum des limites de la parcelle pour pouvoir monter cet immeuble. Alors Alexis, parle-nous des arbres ici. Oui, alors sur cette parcelle, on a la chance d'avoir deux grands arbres, un marronnier et un tilleul argenté. On dit souvent qu'un grand arbre, ça équivaut à 5 climatiseurs naturels. Et à Paris, une ville extrêmement dense, avec des pics de chaleur de plus en plus fréquents, on ne peut plus se permettre d'abattre nos climatiseurs naturels. Et bon, évidemment, l'architecte nous dit, oh, on a pensé aux arbres, on va compenser par une toiture végétalisée. Comment est-ce qu'une toiture végétalisée va remplacer ces deux arbres? Le tilleul, en plus, là, va bientôt fleurir, donc ça va évidemment apporter de la nourriture à nos chères abeilles. D'ailleurs, vous entendez certainement le chant des oiseaux, là, en ce moment même où je vous parle, et justement, ce chant des oiseaux, on a tendance à l'entendre de moins en moins à Paris. Les populations d'oiseaux chutent de manière vertigineuse, et ça serait bien qu'à Paris, on entende un peu plus le chant des oiseaux et un peu moins le bruit strident des tronçonneuses et des pelleteuses. Voilà. Il y a une pétition. Donc il y a une pétition en cours, donc aujourd'hui. Donc vous avez trouvé le lien dans la description. Et puis donc on a déposé un recours sur le projet.